Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge, épisode qui commence déjà par les résultats de vos votes. Vous avez voté la semaine dernière pour l'héritière de cette génération, hein, l'héritière avec qui on terminera le Decade Challenge, elle et ses gamins. C'est une très grosse responsabilité que vous avez mis, que je vous ai mis dans les mains. Je ne sais pas du tout, hein, pour qui vous avez voté, sauf ceux qui ont mis des commentaires. Donc j'ai vu qu'il y avait plutôt une tendance Esther, en tout cas dans les commentaires, hein, je ne veux pas dire au global. Donc je n'ai pas voté moi-même non plus, je ne voterai qu'en cas d'égalité entre deux filles. Et puis sans plus attendre, je pense que tout le monde a envie de savoir, et moi aussi. Donc attention, je vais voir les résultats. Et c'est Esther qui a gagné, qui a remporté les votes à 72 votes. Waouh! Anaïs, deuxième, 52. Eva, troisième, 22. Laura, 14. Oh, ma bichette! De toute façon, moi, je trouve que les quatre étaient magnifiques et je suis quand même étonnée que vous ayez réussi à les départager parce que moi, je savais pas. Hein. C'est pour ça que j'avais pas de préférence. Je vous ai pas dit, oh oui, j'ai une préférence pour machin. Non, franchement, je les trouvais toutes belles. Et je suis contente qu'Anaïs vous a plu, parce que comme c'est la toute dernière, on n'a pas le temps de s'habituer à son visage de jeune fille et tout ça, et ça me fait super plaisir. Vous avez été 160 à voter, c'est énorme. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse très très fort, je vous remercie 160 fois. Et puis ben, on est parti avec Esther, notre petite héritière. Les rues sont calmes encore, au petit matin de cet automne, la lune dit au revoir. Et le soleil arrive promptement à illuminer cette journée d'élection. Le tram passe. Bref, tout va bien. Alors, Lionel, lui, va aller bosser directement là-bas. Hein. Je ne vais pas m'occuper de lui, sachant qu'il ne s'est pas entraîné au combat. Il est à quel niveau? Il est toujours au niveau 4. Hein. C'est pas GG. En même temps, le petit Liolio, il va bientôt devenir vieux. Hein. On avait eu l'annonce la dernière fois. Voilà, bon écoutez, c'est comme ça, hein, la vie, hein. Qu'est-ce qu'il a? Il perd quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, il y avait des... Bon, en même temps, ça va être la saison, hein, entre Joseph qui est parti, Geneviève qui est devenue aussi vieille. Donc ça va pas tarder tout ça, hein. C'est un peu la période un peu relou, où les vieux décèdent et où les jeunes adultes commencent à pondre. Et quand ça commence à pondre, c'est-à-dire des bébés, ce que je préfère. Bon, les cours vont bientôt commencer pour eh bien, Laura et Anaïs, puisque c'est les deux seules qui vont encore à l'école. Laura, si tu veux bien te lever, ma belle. Non, tu vas manger un truc qui est plus équilibré que du gâtal, hein, s'il te plaît. Bon, Anaïs, elle fait déjà son petit-déj. Jolie petite Anaïs. La belle Eva s'est levée également. Et elle va prendre... Bon, je lui laisse que pour son gâtal. Et elle s'appelle Esther, notre jolie petite héritière. Regardez sa mère, non, pas sûr, je ne parle que d'elle. Oui, non, franchement, vous avez bien choisi, hein. Elle est quand même belle, et puis regardez-moi ce sourire, ce smile qui dit « Wesh, c'est moi qui ai gagné, c'est moi la plus belle !» Oh, la coquine. Eh bien, écoutez, elle va aller aussi manger, puis se prendre une bonne petite douche. Ben, on va commencer à caser tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Eva, elle avait rompu la dernière fois avec le garçon avec qui elle avait fait pour la première fois un petit crac-crac. Donc, eh bien, il va falloir trouver du mal. Ah non, il va falloir faire la lessive. Bon, du coup, voilà, il va falloir aller chasser du mal pour ces demoiselles, hein, parce que, et voir lequel d'entre eux sera potentiellement sympa pour faire des petits noubous avec. Enfin, je parle de chasser le mal, mais elle était quand même en couple avec ce mec-là. Canaille, Makua. Bah quoi? Bah tiens, tu vas le faire venir un peu. Il faut que je réinspecte de plus près si il vaut le coup ou pas. Bon, elle va prendre un bain à la place, donc c'est pas plus mal. Le courrier était distribué. Il faut qu'on paye les factures aussi, d'ailleurs. Alors, l'Hélène, bah tu t'en chargeras, ma belle. 18 000. Ouf, oh la vache. Et il y a aussi le jardin dont on ne s'est pas occupé du tout depuis un moment. J'ai plutôt honte d'ailleurs parce que à chaque fois je me dis oui, il faut qu'elle le fasse et elle le fait pas. Donc Hélène va un peu s'en occuper. Ouais, en fait non, je vais demander plutôt à Esther d'arroser. Vu que c'est maintenant notre héritière en titre, eh bien elle devra s'occuper elle-même aussi de ce fameux jardin. Et comme ça, elle commencera à apprendre le jardinage. Ok, Canaille est arrivée.
Je crois qu'il a l'habitude de se balader en torse-poil comme ça. Tout va bien. Tout va très très bien. Bon, pendant ce temps-là, va quand même arroser un peu les plantes parce qu'elles en ont sacrément besoin, là, les dahlias. Ça ne va plus du tout. Et les laines, si tu peux tout vendre, s'il te plaît. Oh là là, regarde. Tout vendre, il y a beaucoup de thunes à se faire. Il y a des fruits du dragon qui ont poussé aussi, là. Ouh là, attends, il y a des trucs à faire évoluer en plus. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que si on évolue, eh ben, ça veut dire qu'on gagne encore plus de thunes. Eh oui, vous avez bien suivi. Voilà, le dur travail d'Hélène. Et puis là, on voit que ça monte bien. C'est une bonne période, finalement, l'automne. Pour le jardinage, atteint que niveau 6. Donc ça va encore. Elle n'est pas trop trop douée, mais par rapport à Pierre Nard, par exemple, hein, qui a lui excellé dans le domaine, mais en même temps c'était son jardin à lui. Hein. Vous savez, ça fait quand même 120 ans maintenant que ce jardin existe. Vous imaginez un peu la qualité des fruits, ces trucs millésimés, quoi. Eva, je sais que tu as envie de te trouver un mec, mais quand même, alors faites-moi voir la bête. Non, franchement, il est bien bâti, je dis pas, mais de visage, ah, je sais pas. Alors j'ai repris un majordome et c'est encore lui. Casse-couillette, il me plaît pas lui, je l'aime pas. Et je pensais qu'il allait mourir, mais en fait pas du tout. Tu vas éliminer sa journée parce qu'il là il est relou en fait, vu que voilà. Eh mais dis donc, est-ce qu'il est quoi? Il est encore ado. Zut, on pourra pas faire de crapulade avec. C'est dommage. Mais ouais, je sais pas. Je le trouve pas non plus très beau. Au niveau des yeux, je trouve qu'il a rien. Hein. Je le trouve fade en fait. C'est dommage. Et pendant ce temps-là, on a notre belle Hélène qui joue au fer à cheval comme ses aînés. Et alors, est-ce que tu t'en sors? Je suis pas sûre qu'elle s'éclate vraiment en fait. J'ai cette impression que le majordome bosse beaucoup mieux depuis qu'on l'a réembauché. Hein. Il a dû comprendre qu'on pouvait très bien se débrouiller sans lui. Il fait la vaisselle, il a fait à manger, il a réparé. Non, enfin, il s'est occupé de la lessive et tout, donc je trouve que ça va. C'est cool. On sait pas tout ça, les filles, mais ça vous dit qu'on aille chercher du mal pour vous? Allez, on va se balader. Ok! Nous voilà à la planète Pop Miel et en plus il y a la convention geek. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de venir là pour rencontrer des gens plus ou moins bizarres. Oh bah dis donc. Oh bah tiens! Marie, dédicace. Il avait un peu froid, j'ai eu peur, je crois qu'il était un peu. Voilà. Donc ici nous avons des geeks de France et de Navarre. Ah mais voilà le nouveau déguisement qu'on a eu avec. Avec la mise à jour là. Et elle est jolie cette dame, dis donc. Elle est bien jolie. Tu aurais pas des enfants. Qui c'est qui serait calé en jeu vidéo entre vous trois, les drôles de dames là? Archéologie, bowling, machin, cuisine, culture sonore, DJ danse. Ah oui, quand même, hein. Ah ouais, éducation 10, hein, jeu vidéo 1. Ok, donc t'es pas très très doué. Jeu vidéo 1 aussi. Est-ce que ma petite Esther. Va aller un peu. Allez, au niveau 2, allez. Tu vas pas te gagner forcément, mais je veux bien que tu tentes de faire participation au piraton. Allez, vas-y, vas-y, ma cocotte. Oh, il joue pas forcément à piraton, donc. Mais vas-y, tu nous as piqué la place! Wesh! Ah, mais non, vas-y, il s'en va, il s'en va. Vas-y, ma belle. Ouais, t'inquiète. En plus, les PC, bon, on va dire qu'ils sont la nouvelle génération, la dernière génération. Allez ma belle, faut participer. Ah, fais gaffe, elle joue hein, aussi. Hein. Léa Telmar, elle joue aussi, hein, donc attention à toi. Hein. Allez, faut que tu kicks des ass là. Hein. En plus, je regarde la compétence jeu vidéo alors que c'est la compétence programmation, donc rien à voir. Mais c'est pas grave. C'est génial, on a vraiment de tout en déguisement, même d'homme de Cro-Magnon pour celui-là. Ah, ça me fait trop rire, c'est n'importe quoi. Tout, 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 tout. J'étais en train de me balader et j'ai vu que ce jeune homme pouvait très bien faire office de futur chéri. Et paf, ça te ferme à la tronche. Alors, ok, d'accord. Vous allez me laisser. Mais, what? Ah, si, le voilà.
Bien sûr, c'est encore un blond, mais il est plutôt pas mal, hein. Tu vas discuter un petit peu avec lui. Se dispute la prononciation de GIF. Ah là là. Faire une blague à propos de Pi. Allez, vas-y, pète-la toi. Parler d'amour des cosplayers. Raconter une histoire drôle et puis tu vas un peu te renseigner sur lui aussi, pourquoi pas. Peut-être que notre petite Eva a trouvé sa moitié déjà. On verra si ça se... Oh bah regardez, en tout cas, on peut pas dire qu'ils s'entendent pas pour l'instant, hein. C'est l'Happy Hour au bar karaoké. Le festival se termine dans 1 heure. Bon, de toute façon, je suis pas sûre qu'on gagne, hein, mais voilà, comment elle s'en sort, notre Esther d'amour. Ah, mais elle est toujours sur le piraton, hein. Ouais, attention. Oh, mais il est là! Je l'avais vu passer, Thierry Fournier. Bon, il a pas un nom à tuer des culs, mais oui, à tuer des culs. Oui, pourquoi pas, c'est une nouvelle expression que je viens d'inventer. Bon, il a les yeux verts. C'est embêtant. J'aurais voulu changer en fait un petit peu. Bon, le style, c'est sûr, c'est changé. Mais au niveau des yeux, j'aurais voulu changer un peu les couleurs des yeux, quoi, pour pas faire 40 000 enfants aux yeux verts. Hein. Certes, ses yeux verts sont là depuis quelques temps, mais bon. Ils sont depuis, si je dis pas de conneries, depuis Joséphine, qui était donc la fondatrice, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que Albert les avait. Il les a donnés à Gisèle, qui les a donnés à Hélène, qui les a donnés à ses filles. Donc, je pense que je dois pas être loin de la vérité. Pour revenir à notre Eva, ça se passe plutôt très bien. Ils ont l'air de grave s'entendre en fait. Donc, fulminé à propos de l'annulation d'émissions de télévision. Est-ce qu'il a l'air OP? C'est un jeune adulte, hein, donc on est bien. Il a pas l'air contre, en tout cas, une petite aventure qui pourrait devenir une grande. Regardez ça. Eva qui attaque. Oh, il est content, il est mignon. Ah, bon, toujours pas d'amour en vue, il n'y a pas de petite barrière rose. Barre rose, pardon, mais. Complimenter la tenue, pourquoi pas. Parler du temps nuageux. Blague perso. Là, ça fait beaucoup de choses, mais t'inquiète, après, tu pourras le redraguer un petit coup. Ah, si, ça y est, conversation suggestive, monsieur est enjôleur. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Et à côté d'Eva, on a Hélène qui dit bonjour à Darmon, je ne sais plus, Samuel, le mari de Geneviève, qui est aussi en homme de Cro-Magnon. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, dans les Sims. Ouh là là, Eva, ça s'accélère pour toi. Est-ce que tu serais pas in love de ce gars-là? Moi, je pense qu'il pourrait faire des beaux petits bébés. Hein? Comment ça se passe? Oh! Et puis voilà, en plus, le truc a fini comme ça, là, son petit chalet là où il bossait, il a disparu comme ça. Tac! Et est-ce qu'on a eu les résultats du piraton? Je ne sais pas. Bah, on se retrouve un peu comme des ronds de flanc là, comme ça, avec le festival qui est fini. Ça, c'est quoi? Philippe Boyer. Mais Philippe Boyer, il est mignonnet, dis donc. Allez, ma petite Esther. Oh, un chien. Matteo Padrone. J'adore le chien qui est là. Parce que lui, il me paraît mignonnet. Il me rappelle Pierre Nard, en fait. Il avait la même coupe de cheveux que Pierre Nard. Et puis le style un peu aristo, quoi. Hein. Mais regardez qui est là! C'est notre Daichi national. Coucou Daichinou. Tu viens pousser la chansonnette avec nous? Allez, on va rigoler. Le problème, c'est que Esther, elle est froide pour draguer, ça va être un peu chiant, je pense. Mais bon, ouf, elle commence à avoir faim la biche. Je pense que ça va être un peu relou, mais on peut toujours tester un flirt futile, technique de drague inappropriée. Ah ouais, non, bah voilà. Ça s'est pas bien passé. Minute papillon. Ah mince. Mince. Mais elle leur drague en plus. Ah oh, ça va pas aller. Ah mince, il est froid aussi. Ah non. C'est vraiment le hasard quand même fait bien passer les choses. C'est Hélène et Daichi qui chantent ensemble. Oui! Magnifique duo.
Moi, je vous dis, ça fait partie des anthologies. Notre fameux Daichi! Oh, ça, c'est franchement, ça vaut le coup, hein. Elle chante quand même mieux que lui, hein, on va pas se leurrer. Bravo! C'était sympa! Allez! C'est Eva qui va pousser la chansonnette pour le karaoké. Ah, ça va, hein, se débrouille pas mal quand même, hein, on va pas se leurrer, hein. Oh, bah Lionel est arrivé! Il est venu nous rejoindre de lui-même! C'est pas mignon! Oh, sa femme! Sa femme chérie d'amour! Bravo Eva, c'était super! Voilà, Daichi aussi a eu envie de chanter tout seul cette fois-ci. Quel talent! Quel talent! Bon, c'est pas tout ça, les amoureux et tout ça, mais. Oh là! Ça choque Esther! Ah oui, c'est vrai qu'elle est froide! Mais il va falloir rentrer à la maison quand même, un petit peu, hein. Ouais. C'est pas grave, on va y aller. Ouais! C'est Eva qui a remporté le karaoké avec un score impressionnant de 49! C'est cool! Du coup, elle a gagné, Eva. Ah, c'est trop drôle! Championne du concours de karaoké! Bravo, ma belle! Allez, on rentre. Allez, nous voilà rentrés à la zombie. Oula, d'accord. Ils sont. Alors, il est très heureux de voir sa femme. Je pense que tout le monde est très heureux de voir Hélène là. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais c'est pas grave. Hélène, tu vas pouvoir t'occuper de toi. Non, mais j'en ai marre aussi. Ils sont tous mariés. En fait, Chris Andersen, il est gay et il a un mari. Oh, c'est pas possible. Allez les filles, il n'est jamais trop tard pour faire ses devoirs. Hein? Quand même, parce que c'est bien beau de faire de la piscine et de s'amuser, tout ça, mais à un moment donné, faut travailler, hein, pour avoir des belles notes à l'école. Non mais dis donc. Mon petit bichon Lionel, il a besoin d'évacuer le stress, là. Donc il va proposer des choses à Hélène. Juste un. Non, pas de bébé, hein, c'est bon. C'est bon, là, les bébés, ça va venir bientôt pour les filles. Oh, pas en faire pour vous, ça va aller. Ouais, allez, un petit crac-crac. Ça va lui remonter son divertissement. Et puis, il est 2 h du matin, donc ouais, il va falloir aller au dodo quand même. Bon, alors, les filles vont au lit pendant que les parents font crac-crac. Et il y a. Non, que Laura qui n'a pas encore fini ses devoirs. Et qui va aller au lit après. Allez, c'est sur ce coucher de Laura que moi je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Non, dormir, pas la sieste. C'est incroyable ça. Et donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit com, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À regarder une petite pub sur Utip aussi, puisque de nouvelles pubs sont dispo. J'espère que l'héritière vous plaît. Hein. Bien sûr, ceux qui n'auront pas voté pour elle seront peut-être un peu déçus. Mais la majorité a parlé. Esther est notre héritière. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite des Decade Challenge ou d'autres choses sur ma chaîne. Ciao!